et demain, elle va rencontrer soit le 32, soit le 10. Le 10, c'est Fabrice Boulier. Et le 32, c'est notre ami Sébastien Lemoine, que je connais aussi très bien. Alors là, c'est pareil, c'est encore un bateau petit. Le 35, c'est un bateau noir. Voilà, les pins, c'est des bateaux qui sont des beaux bateaux, qui sont d'une belle couleur. Vous voyez, qui est le négatif, je dirais, du 35. C'est-à-dire, le 35, il est noir et gris. Et le 50, le 32, est gris et noir. Mais c'est les mêmes couleurs. Voilà, ils ont inversé pour différencier un petit peu. Donc là, on va assister pas pareil à des champions du monde. Le bateau numéro 10, piloté par Fabrice Boulier, pareil, c'est un champion du monde d'endurance. Il a déjà gagné pas mal de courses. Il a encore gagné en vitesse à Sœur. Et le numéro 32, pareil, Sébastien, qui a gagné les 24 heures de Rouen dans la catégorie de lit, qui a gagné pas mal de courses en vitesse, qui est aussi champion. En fin de compte, dans les S2000, la tête que vous avez, les pilotes que vous voyez, sont tous des pilotes qui ont été titrés et qui ont beaucoup de titres. Champion de France, champion du monde, champion d'Europe, et qui continuent à en avoir et qui continuent. Là, vous avez ce qu'on appelle un vrai beau plateau de pilotes de formule et de bateaux. Avec des bateaux très rapides parce qu'ils sont toujours à la pointe, toujours en train de rêver. Si vous alliez voir Virginie tout à l'heure, on fera un petit moment dans les paddocks, ils sont toujours en train de mécaniser, ils sont toujours dans la mécanique, ils sont toujours sur leur bateau, toujours en train de travailler, toujours en train de vérifier, toujours en train de contrôler. Ça n'arrête pas. Et puis de temps en temps, bah, un petit pause quand même, parce que mais c'est des passionnés, ils sont sur leur bolide et leur bolide, ils ne les lâchent pas. Et bah, vous avez aussi un passionné qui commente, mais qui pareil, il est dans ses bolides, il ne les lâche pas. C'est tout, on peut le dire à Michel. Donc là, on place les bateaux. On met les bateaux en place, voilà, on les place bien, prêt à partir dans l'axe de débouer. Donc Fabrice va être sur le circuit long en premier et Antoine sur le Sébastien plutôt. Non, c'est Sébastien, oui c'est ça. Sébastien lui va être sur le circuit court en premier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est le bateau 32 qui va virer en premier, mais sur la petite bouée. Pendant que Fabrice va aller virer sur la grande bouée. Maintenant ça va se jouer sur l'autre passage. Donc là les feux, le commissaire est en 30 secondes, voilà. On prépare, il n'y a pas de nom, rien de gêne. Tout est ok, donc on est prêt pour le cours. Voilà, position de départ, c'est parti, les feux sont allumés. On éteint, c'est parti, ça pousse. Et hop, c'est déjà bondi. Et voilà le 10, donc il est devant. Attention, rien de bruit, là, c'est sur le circuit long. Donc il prend de l'élan, il lâche, le 32, voilà, attaque la bouée courte. Fabrice est déjà parti sur la bouée longue. Donc on va voir lequel des deux qui va virer le premier. Donc voilà, le 32 vire et le 10 vire aussi, c'est kiff kiff. Maintenant Fabrice est parti sur la ligne droite la plus longue, pendant que le 32 va lui aller chercher la bouée du fond. Pour Fabrice, c'est le plus court. Donc là maintenant il va falloir qu'il attaque très fort dans la bouée, l'attaquer, la virer, il vire, et le 32 pareil, voilà, ça passe. Et on va voir si, voilà, oh là là là, Antoine a pris des risques, mais dans la remontée, Fabrice arrive dans la bouée, il vire, et là maintenant faut qu'il crie, ils sont pratiquement au coude à coude. Et là ça va être, mais le 32, voilà, le 32 passait beaucoup plus vite, et le 10 éliminé pour le 32. Wow.